Maintenant, on continue avec notre code et on va devoir réactiver nos questions et mettre âge en commentaire, de même que nom. Bon, je vais nettoyer mon code. Bon, on avait converti les chaînes de caractère en in. Maintenant, ici, nous allons convertir in en chaîne de caractère. Si je lance mon programme, vous allez voir que ceci ne fonctionne pas, simplement parce que à ce niveau, âge est en chaîne de caractère et ce n'est pas additionnable avec les in. Si je lance mon code, vous voyez, il y a une erreur. Et pour résoudre le problème, nous devons rajouter un in devant h. Donc c'est comme ça qu'on fait la conversion. Et je relance mon code. Toto, vous voyez, tout fonctionne normalement. Maintenant, la conversion a donné. Si je mets n'importe quoi au niveau de h, donc je vais relancer mon code. Donc ici, je mets a, B, C, D, je lance. Il y a une erreur parce que H est converti en IN. Et ici, nous avons rajouté les chaînes de caractères. Donc, nous n'avons pas seulement rajouté les nombres, mais aussi les chiffres. Du coup, il ne se retrouve pas. Et dans la suite du programme, nous allons voir comment gérer les exceptions et les erreurs.